Sérieusement, 2009-2010, je pense. Ouais, en plus, sur le championnat du monde à Moscou, j'ai un souvenir en 2010. Mmh. On a de grosses discussions donc, par rapport au sport. Mmh. Voilà, c'est ce qui m'anime le plus. Et après, je connais déjà tout le monde ici. C'est vrai que je suis venu plein de fois. J'ai jamais perdu un match, je crois, ici. Mmh. Je suis venu à chaque fois. Ouais. Des matchs épiques, en plus. Notamment sur tout le monde. Avec un match épique, c'est sur Cossé. Tu joues avec Beauchamp. À l'époque, on était avec la Pro B. Donc voilà, tout simplement, voilà des clés réponses simples. Non, pas d'importance, j'ai signé en fait au club de Villeneuve pour un long projet. Si en 2016-2017 la saison c'était en Pro B, ben voilà, c'est la Pro B. Doit monter sportivement, doit monter à notre manière. Si ça prend un an de plus, ça prend un an de plus. C'est mieux de gratter cette année. C'est sûr, je suis content, très content. Mais j'ai signé ici, pas en disant absolument, ben voilà, ça va être la proie. Je suis allé tranquillement en disant, j'espère que c'est la proie. Et si c'est la Pro B, il faudra montrer devant la table qu'on mérite d'aller en Pro. Et surtout, si on est en Pro B, c'est de dire aussi, on n'est peut-être pas prêt pour la proie. C'est d'arriver en proie. Aussi avec une certaine équipe et aussi avec certaines ambitions. Et je pense que même aujourd'hui, on peut l'avoir cette ambition. On verra ce que ça donne. Moi, je pense, oui. Même je vais intégrer Jean Grégoire. Parce que avec la Formule A4, on peut intégrer le quatrième. Je pense que. Avec les différents systèmes de jeu, on peut changer aussi. Donc, moi j'intègre un peu tout le monde et c'est surtout aussi par rapport au groupe, comme je disais. Donc, il fait partie aussi dans l'entraînement et dans l'équipe. Et je pense que, ben voilà, en Allemagne, on a tourné aussi avec des joueurs moins forts qui mettaient une certaine pression aussi aux équipes adverses. Et je pense qu'on peut jouer à ça et surtout d'être un peu, entre guillemets, avoir un papier un peu secret et que les autres équipes ne sachent pas. Absolument, un numéro 1, numéro 2 ou un numéro 3. Moi, je pense qu'il a toujours été plus fort, même avant. Je pense que la densité de joueurs était plus forte en France qu'en Allemagne. C'est juste, c'est le système. Voilà, c'est que, comme hier, le numéro 3 joue le numéro 1, c'est pas possible. En Allemagne, c'est impossible et les deux numéros 1 se jouent obligatoirement. Donc il y a un certain niveau de jeu. Hier, on n'a pas vu les deux numéros 1 se jouer, par exemple. Donc voilà, ça, je pense que c'était le réel problème en France, c'est que on joue un sport où les deux numéros 1 ne se jouent pas. Donc le système va changer et c'est pour ça que c'était incomparable de comparer en fait les deux championnats et dire en termes de niveau. Et en fait, on dit. Vous l'avez dit, le championnat d'excellence, c'est qu'il y avait toujours des gros matchs tout le temps. Il n'y en avait pas le choix et c'est ce qui faisait l'intensité et le niveau. Et c'est vrai qu'en France, des fois, il pouvait y avoir des matchs où il y avait deux matchs, numéro 1, numéro 3, et deux, trois se jouaient. Et puis il n'y avait pas cette animation. Et donc, quand on voit donc, la formule des Ligues des Champions, des fois, quand les clubs français jouaient sur des clubs allemands, ils n'étaient pas prêts. Absolument à jouer parce qu'ils n'avaient pas une deuxième chance. Le numéro 2, il joue tout de suite le numéro 1 et des fois il n'a pas une deuxième chance de jouer. Ou le numéro 3, il est décontracté sur le numéro 1 et après il a une deuxième chance. Que là, le numéro 3, il joue le numéro 3, il doit absolument gagner. Donc c'est totalement différent, c'est une approche totalement différente. Et je pense que c'est ça notre sport parce qu'il y a les championnats du monde qui sont comme ça, les championnats d'Europe qui sont comme ça, et il y a juste la formule des jeux qui change. Donc voilà.
En Allemagne, j'ai une certaine expérience. J'ai beaucoup travaillé avec Ludovic Jomat sur fixation de beaucoup de choses à l'entraînement dans mon jeu pour pouvoir après l'exprimer encore plus. C'est sûr, on a fait le travail de fourmi avant et j'espère le faire, me relâcher un peu plus grâce aussi à toute l'équipe qui est ici et aussi ce qu'on a parlé avec Julien depuis pas mal de temps. C'est sûr. Je n'avais pas affirmé parce que je parle beaucoup avec certaines paroles. Je lui avais pas dit. Je lui ai dit. Je disais rien, mais en sensation, c'est sûr que je me disais un jour ou ça, on va bien se croiser. Nos chemins vont se croiser. Voilà. Chaque proposition est importante, c'est surtout. C'est toujours valorisant quand on a une proposition de contrat. Et c'est sûr que à Villeneuve, je me sentais toujours bien, même quand je venais à jouer ici contre Villeneuve. Et c'est sûr que quand j'avais cette proposition, pour moi, fallait que je fasse des choix. Et, j'avais moins de proposition de Pontoise à l'époque, et Pontoise c'était ma maison. Pour moi, plus profond, c'est le cœur qui avait choisi aussi. Donc. Et là, je plus aussi. Les sportifs n'étaient pas les mêmes non plus à l'époque. Il y avait beaucoup de choses et aussi. Villeneuve, ça se construisait, Pontoise, il y avait des objectifs. Il y avait l'entraînement à l'ICSEM aussi avec l'équipe de France, donc tout était à côté, il y avait un projet commun, donc il y a beaucoup de choses aussi. Donc, et là, c'est pareil, le fait de choisir ici un projet de vie, projet sportif et aussi, entre guillemets, un peu. Le cœur qui était là aussi pour venir ici. Pas de pression là-dessus. Non, le plus important, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur l'aspect un peu mental et dire je suis devant la table, j'essaye de jouer au camping, ce qui est extérieur ne me compte pas. Après, c'est sûr que quand on voit dans l'air de jeu, on dit je fais trop de choses pour l'extérieur, mais c'est pas du tout ça parce que je l'exprime, c'est sûr, mais ça vient naturellement, ça vient par le jeu. C'est ta manière d'être. Voilà, c'est ça. Je vais répondre un peu à côté, je m'entraîne tous les jours pour jouer des grandes compétitions, tout simplement. Donc on peut, pas qu'on parle des JO ou quoi que ce soit, c'est que je l'ai toujours dit depuis que je suis tout petit, puis même quand j'étais numéro 1 français, je m'entraîne pour l'équipe de France, pour représenter mon pays, c'est comme ça, c'est pour ça que je me bats tous les jours, en finale. Moi je les connais, mais je les connais pas forcément aussi dans la vie de groupe par rapport à Moping, donc par rapport au match. C'est que ce qui est important, c'est de prendre le temps d'avoir cette vie de groupe, surtout d'accepter, c'est important parce qu'on a des qualités, aussi des défauts. Moi le premier, personne n'est parfait. Je pense que connaître les mecs, de savoir qu'ils font vraiment une bêtise, c'est de l'accepter parce qu'ils sont comme ça. Et moi le premier, je suis chiant sur plein de trucs. Il faudra l'accepter pour qu'on joue ensemble, qu'on vive ensemble, pour faire de grandes performances, et ça passe par là. Et je pense que prendre le temps, déjà, on vient juste de monter en proie, on va y aller un peu tranquillou en se donnant de beaux objectifs pour la proie, et après on verra pour la Ligue des Champions, parce que ça engendre beaucoup de choses aussi pour les dirigeants. Et ça, c'est pas facile, ça on le voit pas par rapport en termes d'organisation. Et je suis pas sûr que le club est prêt aussi à recevoir des grands clubs d'Europe pour faire de grands rendez-vous. Le top niveau était 19 mondial, mais à certains moments, quand j'étais 19 mondial, j'ai pas bien joué. Donc j'étais pas à mon top. Alors que j'avais un classement, un numéro. Ouais, moi, le classement, c'est pas. Alors, c'est un peu l'objectif, c'est vraiment en termes de résultats, en termes de. Palmarès, en niveau individuel, j'ai jamais rien gagné au niveau international. Donc, c'est ce qui fait mon niveau aujourd'hui. Donc, j'étais 19 mondial avant, j'étais même 4 européens, je crois, et j'ai pas gagné une médaille en 5. Pour moi, ce classement, il sert à rien. Je préfère être en disant 3 européens, en disant que j'ai une médaille de bronze, en disant que je suis 3 européens cette année.
couper de mes lettres. Club, je pense que c'est le plus beau centre aussi d'entraînement. Ça vibre. On a bien chance d'ailleurs. Mais quand tu dis ça vibre, parle de ton téléphone. Oui, oui, attends, moi. Ça vibre, ça vibre. Le club, il est top. Voilà, ça vibre.